l'enseignement hermétique dit que l'être humain est conçu à l'image des étoiles et qu'il est la contrepartie microcosmique du macrocosme. Si tel est le cas, chaque être humain est donc soumis aux mêmes lois et aux mêmes exigences que son environnement planétaire, solaire et universel. L'homme aurait donc une similarité avec les étoiles ? Mais laquelle ? Devant notre ignorance face à la mesure infinie de l'espace et aux lois que nous ne connaissons pas, nous avons tendance à nous considérer comme différents de notre environnement. Il y a l'univers et il y a nous. Pourtant, si l'on se penche sur notre nature profonde, on peut alors se poser des questions essentielles. Sommes-nous vraiment différents de la nature en général et des corps célestes en particulier? Si Dieu fait de la géométrie, comme le dit Platon, alors la loi d'équilibre agit directement sur l'homme selon des règles précises qui se répètent aussi bien dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit. Prenons deux mouvements propres au corps céleste, mais qui se retrouvent aussi sur Terre et qui agissent en permanence dans notre quotidien. Le mouvement centrifuge et le mouvement centripète. Si par exemple ces mouvements centripètes et centrifuges exercent une action sur les planètes et les étoiles, entre autres, afin de créer l'équilibre entre elles, alors pourquoi ces mêmes forces ne seraient-elles pas présentes au sein même de la structure humaine ? Selon l'enseignement hermétique, l'âme serait centrifuge et l'ego humain ou personnalité serait centripète. Pour mieux comprendre, il nous faut situer l'être humain sur au moins deux de ses aspects fondamentaux. L'âme divine et la personnalité ou ego animal. L'affaire est un peu plus complexe que cela, mais il s'agit juste d'un exemple. Ces deux pôles de nous-mêmes sont en déséquilibre en raison de notre méconnaissance, car l'être humain se situe sur le début de la voie d'évolution. L'enseignement hermétique nous dit que le but est de progresser afin de rétablir l'harmonie en nous-mêmes. L'exemple qui nous aide à comprendre est celui d'un système solaire accompagné de sa cohorte de planètes qui, par l'équilibre des forces en présence, stabilise l'ensemble. Si par une métaphore nous comparons l'âme au soleil et une planète à la personnalité ou ego de l'être humain, nous voyons rapidement qu'il y a une certaine similitude. En établissant correctement un équilibre entre l'âme et la personnalité, l'harmonie intervient dans la vie d'un individu. Le processus est le suivant.
par la croissance progressive de la conscience, notre personnalité ou ego animal va chercher à se mettre en phase, à se stabiliser vers l'âme, à se nourrir de sa puissance par le jeu combiné des forces qu'elle engendre. Mais si pour une raison quelconque notre personnalité rompt cette harmonie en se surchargeant d'une trop grande attraction matérielle, en donnant trop d'importance à l'aspect sensuel de la vie et à ses mirages par exemple, alors les forces en présence se dilatent au point de perdre leurs effets mutuels et s'amoindrissent. C'est ainsi que la personne qui subit cette déficience se trouve peu à peu enlisée, entraînée dans une nouvelle attraction. Car en vertu de la loi, un autre équilibre cherche à s'organiser. C'est alors que la densité va s'accroître de plus en plus dans ce que l'on pourrait appeler le brouillard et l'illusion du monde matériel. Peu à peu, et sans en prendre garde, la personne qui a négligé son rapport avec la lumière de son âme, avec les valeurs intrinsèques de service, de compassion, de bonté et tant d'autres, va s'éloigner par le jeu de forces qui viennent d'être évoquées et du lien qui l'unit au divin en elle. De même qu'une planète est reliée à son étoile et en recueille l'influence bénéfique, de même, un individu est dépendant de son âme, même sans le savoir. En brisant l'harmonie de ses forces, de ses mouvements centripètes et centrifuges, au fil des multiples incarnations, nous pouvons nous éloigner de plus en plus de la divinité et nous perdre si nous nous laissons capter par l'influence densificatrice de la force centripète. Les exemples de violence, de crimes et de haine qui sont de plus en plus fréquents aujourd'hui dans notre monde sont les conséquences de ce déséquilibre dont je viens de parler et de bien d'autres choses encore. Certains groupes agissent en ce sens et profitent de la situation pour intensifier le mensonge et la manipulation afin de déplacer l'orbite de l'être humain et de l'éloigner du soleil central qu'est l'ego divin en nous. Nous sommes donc tous impliqués dans les événements qui se produisent et seule notre attitude, nos actions, nos émotions et nos pensées et surtout notre prise de conscience peuvent contribuer à conserver cet équilibre précaire encore pour un temps si elles sont dirigées vers la lumière.